Non, ce que je voulais dire, c'est, est-ce que vous prévoyez d'avoir des enfants? La chance d'avoir une promotion en tant que chargée de projet. Dites-moi, Charlie, vous savez combien de temps vous êtes mariée déjà? Il y a 2 ans, c'était merveilleux. Pourquoi? Quels sont vos projets personnels pour les 3 prochaines années? Qu'entendez-vous par projet personnel? Je suis 3e dan de karaté. Je m'entraîne 2 fois par semaine. Ce que j'aime avec ce sport, c'est la grande concentration que cela exige et le dépassement de soi. Très intéressant. Non, ce que je voulais dire, c'est... J'anime également un club de débat, ce qui me permet de travailler la structure d'un discours et de défendre mon point de vue. Non, ce que je voulais dire, c'est... Est-ce que vous prévoyez d'avoir des enfants? Ça va, Charlie? Oh non, ça va, oui, en fait, je suis désolée. C'est que j'ai une grave maladie et je peux plus en avoir. Veuillez m'excuser du coup, enfin, je comprends, hein, enfin, je peux comprendre, c'est... Donc 6e dan, c'est ça? En judo? C'est bien ça. Donc on n'en parle plus? De quoi donc? D'avoir ou pas des enfants? Non, parce qu'il faut que j'invente une histoire terrible pour que vous respectiez ma vie privée. C'est grave. Oui, je peux avoir des enfants et j'en ferai ou pas si j'en ai envie. Et ça vous regarde pas. En plus, c'est pas interdit de poser cette question lors d'un entretien d'embauche? Vous le saviez pas? On me met la pression pour recruter des femmes disponibles, comme ils disent, et du coup, ils m'ont demandé de le faire, hein, comme je suis une nana, ça passe mieux, et du coup, enfin, c'est... Mais je suis d'accord avec vous, hein, y a pas de problème, hein, c'est... Mais on peut continuer si ça vous dérange pas, parce que je dois leur faire passer un certain nombre de candidates, et du coup, c'est... Oui, on continue et le poste m'intéresse, donc... Merci. Donc, parlez-moi de votre expérience chez Campbell et compagnie en 2018, c'est ça?